une carrière de footballeur. C'est incroyable. Tu vois, jouer à Geoffroy Guichard quand c'est plein, c'est incroyable. Jouer à Saint-Etienne, c'est incroyable. De la semaine, on va refaire des schémas, là, des circuits un peu préférentiels. On aimerait bien revoir un peu en match aussi. Et si on est une source synthétique, c'est pour la technique, ce sera encore plus précis. On l'a fait la semaine dernière sur l'herbe, c'était un peu à mon goût, il y avait trop de déchets, donc on va voir si c'est bon pied ou si c'est le terrain. Bah, c'est un bilan un peu mitigé. C'est vrai qu'on a fait un bon début de saison en 19 avec des résultats plutôt intéressants. Après, on a eu une période plus difficile où on n'a pas réussi à gagner pendant 5 matchs, on a eu 4 défaites, le groupe a commencé à douter un peu, on sentait que ça c'était un peu moins joyeux, c'était assez triste, même sur le terrain ça se ressentait, et puis il y a eu quand même un bon regain de forme là sur les derniers matchs où on arrive à gagner, à reprendre des points, on sent que voilà, c'est reparti, l'état d'esprit est mieux qu'il n'avait été. Et inévitablement, les résultats aussi s'en ressentent. Et puis ça remet de la confiance d'avoir gagné aussi contre Toulouse, qui était une bonne équipe, qui était en tête quand on les a joués. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui est un petit peu plus vieux que d'habitude, parce que c'est quand même beaucoup de joueurs qui s'entraînent avec la réserve. Et que le groupe qu'on a dans la semaine, c'est plus le groupe des 17 de Patmon. Voilà, c'est un peu différent des autres années. On a un groupe plus jeune d'entraînement, mais on récupère aussi beaucoup de joueurs plus vieux de la réserve. Donc voilà, c'est une autre adaptation. Parfois un autre état d'esprit, parce qu'il y a aussi des petits états d'âme de certains par rapport à la redescente du groupe réserve. Voilà, c'est d'autres problématiques à gérer, mais aussi intéressantes. Et on espère que la deuxième partie de la saison sera un peu plus qualitatif, on va dire, sur le jeu, parce que dans le jeu, on n'a pas été top très très souvent, et surtout dans l'état d'esprit. Attaquant, Enzo, tu vas couper là et tu coupes premier poteau. J'en veux un en premier, un au deuxième, un en retrait. Vert, on accompagne, un bon centre. Mets là. C'est toi qui décide. C'est parti! Bam! Hey! C'est bien, ça, Jules!
Tu vas presque lui dire hein, si c'est, je sais pas, si c'est Darling derrière toi, lui dire. Darling, Darling, vas-y, vas-y. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que dans la semaine, l'état d'esprit, on ne peut pas trop le travailler parce qu'ils ne sont pas avec nous. Mais ça va être plus déjà avec le groupe 17, voilà, ne rien lâcher, garder cet état d'esprit-là parce qu'on sait que plus tard, ça sera plus compliqué. Voilà, il faut leur donner, je pense, les bonnes bases, les bons réflexes et qu'ils soient toujours dans le positif. Et voilà, on va continuer là-dessus. C'est un groupe qui travaille bien, qui vit bien. Ça se sent même dans les entraînements. C'est assez... assez ludique, assez joyeux. Et je pense que c'est important à leur âge de garder ça, donc on va aussi accentuer ça. Tu m'as appelé. Il n'y a pas de bouton. Vous avez une séance vidéo. On a même pas le droit. Comment ? Vous avez une séance vidéo. On a une séance vidéo avec Monsieur Gournadouat. Lucas Gournadouat, pardon. C'est l'objectif d'avoir la même carrière que lui ? Oui, un objectif. Un objectif, pardon. Attends. Non, c'est santé. Tu connais, je peux me déchirer la peau. Comme si tu tournes, ça t'arrache pas la peau. Attends, pour les potes, tu t'as coupé ou quoi ? Désolé. Pour les potes, tu t'as coupé. Désolé. Bon. Pas beaucoup. Ça, j'ai checké, mon gars. D'être parmi nous, de revenir un petit peu. Son sang vert a besoin de respirer un petit peu, tu vois, un petit peu humer le Forez. Donc, voilà. Un peu comme il était sur le terrain, je vais pas faire la même. Je suis pas un dribbleur, donc je sais pas faire beaucoup de feintes, Lucas. Donc, mais une fois, c'est un peu quand c'est fait bien faire une chose. On l'a agressé, c'est nous qui l'avons agressé, on a sauté dessus, comme lui peut le faire encore sur le terrain. On l'a agressé pour que viens nous aider, viens faire passer quelques messages. Jean-Luc en fait passer au quotidien. Jean-Luc a eu le plaisir, le bonheur, pas toujours peut-être, mais de travailler avec Lucas. Donc je te laisse continuer Jean-Luc, mais je l'ai pas eu longtemps. Mais il voulait pas de moi. Non, justement, il t'a. Hop. Tu voulais pas de toi. Je crois qu'on va en parler. Non, c'est bien que vous voyez avec Lucas, même s'il était là il n'y a pas très longtemps. Parce que on était ensemble il y a 4 ans. Il était plus jeune dans le groupe. On avait un groupe un peu plus vieux. Et puis, c'est vrai que je ne l'ai pas eu beaucoup en match. Parce qu'on était dans une période où les 17 étaient en difficulté et que. Pour aider aussi cette équipe-là, il a beaucoup joué en 17. Il n'arrivait pas à gagner, si je me souviens bien. Et voilà, il est venu après un petit peu avec en 19 et en Gambardella. Et puis après, voilà, il a montré qu'il avait beaucoup de maturité et de qualité. Donc il est monté très vite avec la réserve et très vite aussi après avec les pros. Moi, ce que je retiens de Lucas, même si ça a été assez court, c'est son état d'esprit. Dans le travail, dans le plaisir de jouer au football, je pense. Moi, c'est ce que je ressens de lui. Et ce que certainement tu as pu aussi ressentir chez les pros après le groupe. C'est quelqu'un qui aime le football. Et c'est important, je pense. Voilà, cette détermination-là, c'est aussi en lui. Okay, mais voilà. Comment on peut la nourrir, comment vous devez vous la forger, parce que cette détermination-là, c'est sans doute une de ses qualités, mais il sait qu'il y en a besoin, il y a besoin d'autres choses. Donc moi, l'idée aujourd'hui, c'est que Lucas vous fasse passer des messages. Lui, comment il a vécu peut-être ici, avec le recul déjà, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit, parce que voilà. Aujourd'hui, il voit quoi ? Il voit la Ligue des Champions. Okay ? Le mec, voilà, il joue la Ligue des Champions. Donc, si tu peux nous faire gagner du temps, Lucas, par ton expérience, on est preneur. Du coup, je disais, moi, je pense que moi, j'avais pas de but en tête de me dire que je devais obligatoirement jouer en professionnel ou signer professionnel. C'est-à-dire que j'ai fait des conneries. Comme vous tous à l'école,
Des fois, j'étais pas à l'écoute, j'étais à l'écoute, au centre, j'ai fait des bêtises, on m'a tapé dessus. Mais je pense que la différence que, entre guillemets, que j'avais avec les forçats de ma génération, c'est que je savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Après, au fil du temps, j'ai appris que ça, en fait, c'était que de l'amusement, c'était pas du sérieux. Qu'il fallait avoir une meilleure hygiène de vie pour pouvoir réussir. Quand j'allais chez les pros, j'ai vu l'hygiène de vie de Mathieu Debuchy. Et cela m'a beaucoup servi parce que il m'a fait enlever beaucoup de choses en moi qui me servent de jour en jour. Et voilà, après, ce que j'ai à vous transmettre, c'est que je pense que là, vous êtes dans une année à peu près charnière. C'est qu'il y en a, ils sont en dernière année de contrat. Il y en a, ils veulent aller chercher un contrat pro. Il y en a, ils veulent chercher des contrats stagiaires ou autres. Et je pense que la vérité, c'est pas en dehors. C'est pas en équipe de France. C'est pas vos agents, c'est pas vos préparateurs physiques, c'est pas les réseaux sociaux. C'est que c'est le terrain, c'est l'entraînement. Et la différence que j'ai vue, c'est que nous, à l'étranger, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'étais surpris parce que des jeunes de mon âge, ils étaient déjà conditionnés au haut niveau, à comment travailler. Alors que nous, en France, on s'appuie beaucoup sur notre talent. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui font que le talent, ça ne suffit pas. Donc moi, je vous demande d'être le plus sérieux possible. Parce que je vous jure que votre carrière, faire une carrière de footballeur professionnel, ça vaut le coup. Jouer devant 30 000 supporters à Geoffroy Guichard, ça vaut le coup. Jouer la Ligue des Champions, ça vaut le coup. On rêve tous de jouer contre de grands joueurs, qu'on prend sur FIFA ou autre. Et je pense que si vous êtes sérieux et assidu dans votre travail, vous allez arriver vite en haut. Et la différence, c'est ça, c'est que pendant 1h30, c'est un match. Il faut être concentré. Quand vous allez à l'entraînement, vous n'êtes pas pote à l'entraînement. Vous n'êtes pas en match parce que vous devez gagner notre équipe. C'est 11 mecs contre 11 mecs. Mais je pense qu'à l'entraînement, si Enzo c'est mon pote, on est nous deux attaquants, je vais tout faire pour voler sa place. Si je dois le tacler, bah, je le taclerai. Donc il faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup sérieux, beaucoup, beaucoup travailler. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Vos parents, vos amis, tous ceux qui vous regardent, qui vous supportent. Je pense que c'est important que vous leur rendez tout ça. Et je pense que ça vaut pas le coup d'être au quartier avec ses potes dans 10-15 ans. Parce que jouer une carrière de footballeur, c'est incroyable. Tu vois, jouer à Geoffroy Guichard quand c'est plein, c'est incroyable. Jouer à Saint-Etienne, c'est incroyable. Et après, la Ligue des Champions et tout, ça viendra après. Mais je vous jure que prenez conscience de ça. Créez un changement en vous. À part le travail, tu penses à quoi il peut te faire devenir un grand joueur? Bah, franchement, après, je pense que tu dois peaufiner tes qualités en fait. Tu vois, toutes tes qualités fortes, je pense que tu dois y travailler. Après, des fois dans le foot, il faut être bon au bon moment. Quand tu es bon au bon moment, l'avion, tu dois monter dans l'avion, tu vois. Comment rabâcher l'entourage ça et tout? Qu'est-ce qui t'a permis de savoir qui étaient les bonnes personnes pour toi plus tard, etc.? Je pense que, après moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai pas trop de potes. Tu vois, je traîne souvent avec mon grand frère, tu vois. Donc, comme j'ai pas trop confiance aux gens, donc j'ai entre guillemets vite fait un tri, mais après des fois c'est compliqué. Hein. Là, ils vont créer une amitié comme ça et tu vas y tomber. Mais je pense que l'entourage c'est très important. Après, c'est pas que tes amis, c'est aussi tes agents. Parce qu'ils vont bien te conseiller. C'est ça aussi. C'est l'image que. Parce que tout ce qu'ils font autour de toi, c'est ton image en fait. Après, si ton image elle est dégradée, ben, on va dire c'est toi et c'est pas ton agent, c'est pas ton frère. Ouais, ça fait plaisir de leur raconter un peu mon expérience que je suis en train de vivre à l'étranger, que j'ai vécu au centre de formation, et ça me fait toujours plaisir de revenir chez moi parce que j'ai été comme eux dans les classes en formation et je suis très content de les voir tous contents et tous à l'écoute. Tu boudes. Il veut jouer avec toi, c'est pour ça numéro 6. Ouais, je crois. Oh, Nadir Badek. Deux numéro 6, ça numéro 10. Est-ce que pour toi c'était un objectif? Quand tu étais au centre de... Ouais, bien sûr, c'était un objectif quand j'allais regarder l'équipe première le week-end. Donc c'était un objectif et je l'ai fait. Je suis très content et je peux remercier tout le staff de Saint-Etienne à y contribuer. Et j'espère que tous ces jeunes-là, un jour, feront le bonheur des Verts. Thank you.
Ok, j'ai bien. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. L'équipe qui va débuter, donc Cédric dans les buts, on passera toujours en 4-3-3. Tom à gauche, Marwan à droite, avec Pierre et Isra dans l'axe, Albion devant la défense, en sentinelle. Attention à ce poste-là, attention au marquage, Albion. Voilà. Encore du travail à faire, soit pas omnubilé par le ballon, surtout, ce qu'on a pu voir en match et à l'entraînement. Youssef et Benny au milieu pour t'aider, et devant Kenzo à gauche, Mevin à droite et Abdé dans l'axe. Je vous ai marqué confirmé. La semaine dernière, je vous avais dit que par rapport à tout ce qu'on avait pu voir depuis le début de saison, j'attendais certaines choses par rapport aux plus vieux. Il y a eu des choses intéressantes, hein, on l'a dit après le match. Il faut garder cet état d'esprit-là. Je vous le redis, on est ensemble, on forme un groupe. Il faut qu'on arrive à retrouver cette cohésion, ce plaisir de jouer ensemble. On avait perdu pendant quelques matchs. Donc là-dessus, ça a été plutôt bien. Je vous ai marqué de l'exigence parce que même si vous avez fait des choses intéressantes au dernier match, qu'il y a eu un bon résultat face au leader, il y a eu quand même des choses qui étaient approximatives. Hein. Donc, il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs. Et, perso, j'ai toujours l'ambition d'aller titiller les premiers. C'est un championnat qui est très, très ouvert, où c'est assez compact. Donc voilà, l'idéal pour nous, je pense, ce serait déjà de prendre les 3 points et puis de rester vraiment en contact de ces premiers et puis d'avoir un truc vraiment intéressant à jouer et de garder cet espoir-là. Ok ? Allez, bon match à tous. Que ce soit avec les pros ou avec la réserve, c'est important de revenir. Revenir et montrer que c'est mon équipe et que je suis avec eux. Allez les mecs, à fond, hein. Au match de la semaine dernière. C'est-à-dire que défensivement, on est là, on est en place. Je trouve que la couverture est plutôt bien faite. Ils ont un jeu assez simple. Hein. Ils récupèrent le ballon, ils jouent très vite en profondeur, le plus souvent possible sur leur numéro 10, le frisé. Là. Voilà, il faut être attentif à ça, mais on l'a plutôt bien pris. Alors, attention au retour aussi, pareil, que ça soit un petit peu plus rapide. Après, on a encore ce problème offensif. On amorce d'un côté, à l'opposé, il y a toujours un grand espace, que ce soit sur Mevin ou que ce soit sur Kenzo. Donc, vous avez toujours cette solution-là. On amorce d'un côté, bam, on peut aller jouer de l'autre côté. Donc, restez dans ce qu'on sait faire, restez dans un rythme élevé du match, d'accord ? Et ne vous énervez pas, ne perdez pas de temps à parler. Restez dedans, le match, il va tourner pour vous. Comme la semaine dernière, il va tourner pour vous. Et le coach, il a parlé que football. Ok ? Que football.
et il y a eu du football pendant 35 minutes. Hein, 30 minutes, 35 minutes après, c'était plus compliqué parce qu'on a pu jouer, on a discuté, on s'est énervé, on a les boules. Ça revient un peu au jeu, pourquoi on s'énerve, parce que ben oui, on n'a pas le score, okay, et le coach a donné les solutions. Je pense qu'on doit aller beaucoup plus vite dans la circulation. Tout ce qui est notamment, à un moment donné, même les interventions défensives qui sont bien, il y a une bonne lecture de jeu défensive. Vous avez le temps d'avance, gardez-le. Ok, hein, Idra, je pense que j'ai Marwan devant moi. Parfois, on peut la sortir vite avec Cédric. Cédric, tu dois aussi parler peut-être. Hein, mais hop, jouez vite. Au milieu, jouez vite. Albion, qui est plutôt disponible aussi. Jouez vite, simple. Ok, Pierre, c'est pas mal. Ok, on force pas. C'est bien. Maintenant, à aller un peu plus vite, pareil en phase offensive. Ça veut dire les offensifs, les gars. Tu sais, Abdé, Kenzo, Mevin. On ne va pas vous interdire, parce que le match la semaine dernière a été gagné au départ, même sur un exploit individuel, je pense au but de Kenzo, toutes ces choses-là, un petit peu. Mais on a besoin aussi du jeu collectif, du jeu combiné. Ok, Yous, si moi je suis défenseur, je sais que tu vas venir m'enquiller et me dire vouloir me dribbler par rapport à ta première mi-temps. Ok, si au début de deuxième, tu es capable, une, deux, tac, tac, Abdé, on est dispo, putain, là, défenseur, je vais... Ah, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me faire? Ok. Je suis déçu du résultat, parce que je pense qu'il y avait largement moyen de remporter ce match-là. Après, j'ai bien aimé l'état d'esprit des garçons, qui n'ont pas lâché, parce que c'est un match qu'on peut perdre aussi même dans les dernières minutes. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on fait sur les derniers matchs, qu'on garde cet état d'esprit-là, qu'on soit plus précis encore, qu'on soit un peu plus en mouvement et qu'on retrouve un jeu collectif un peu plus léché pour pouvoir les mettre un peu plus en difficulté. Je vais bien parler. Attends, attends, attends.